Et c'est un honneur pour moi de donner la parole à la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, qui va nous donner quelques mots de bienvenue. Agnès, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous tous. Je suis vraiment ravie de me joindre à vous aujourd'hui. Excellences, chers amis, chers collègues, je suis très honorée de vous souhaiter la bienvenue au nom du Service international pour les droits de l'homme et d'Amnesty International à l'événement sur les engagements des droits humains du Conseil des droits humains de 2022. Aujourd'hui, cet événement permettra aux candidats au CDH d'avoir l'opportunité de présenter leur vision et les priorités sur lesquelles ils voudront travailler s'ils sont élus. Pardon. Ce sera aussi une opportunité pour les participants de poser des questions aux candidats sur leur comportement en matière de droits humains et leurs engagements. J'aimerais tout d'abord remercier les deux missions permanentes qui sont parraines de cet événement, l'Argentine et le Luxembourg. Nous remercions du fond du cœur l'ambassadrice Maria del Carmen Squef, qui, je pense, nous a peut-être rejoint, et l'ambassadeur Olivier Maes, qui est présent aujourd'hui, ainsi que leurs équipes qui ont tout fait pour rendre cet événement possible. Je suis également très reconnaissante à M. Craig Mokiper, qui est le directeur du bureau de New York du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et qui modérera cet événement aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons organisé cette réunion, cet événement avec le Service international pour les droits humains depuis 12 ans maintenant. Cela montre bien l'importance et la réussite que représente cet événement depuis tant d'années. Et nous sommes ravis cette année d'avoir 10 candidats qui se joignent à nous lors de cet événement et toutes les régions du monde sont représentées. Comme vous le savez certainement, les élections au CDH ne sont pas toujours aussi pluralistes que nous l'espérons pour un organisme de cette importance. Malheureusement, très souvent, nous avons des listes bloquées. Mais nous sommes vraiment ravis de la nature pluraliste d'au moins deux groupes, celui de l'Asie Pacifique et de l'Amérique latine et des Caraïbes. Et nous encourageons les autres régions à être inspirées par cet exemple. Pendant les prochaines 2h30, nous allons donner l'opportunité à tous les candidats et aux autres de dialoguer et d'avoir une discussion vraiment entre les États membres et la société civile, puisque c'est un exercice important en matière de transparence et de reddition des comptes. Et c'est effectivement une étape importante qui va pour la réalisation du mandat de la mission du CDH. Le Conseil des droits de l'homme et son succès dépend des membres, de ses membres et de leur volonté de mettre en place le mandat qui leur a été donné par l'Assemblée générale et sa résolution 60-251. Les responsabilités des membres du CDH sont particulièrement cruciales. On le disait peut-être déjà il y a 10 ans. Je pense cependant que la décennie à laquelle nous faisons face est de plus en plus difficile. Nous faisons face à une multitude de défis existentialistes, notamment des guerres internationales, le changement climatique, de plus en plus d'inégalités, maintenant une crise alimentaire et bien plus encore. Toutes ces crises peuvent mettre notre monde à genoux. Et c'est pourquoi le CDH doit être prêt à faire face à ces crises en remplissant son rôle et sa mission. C'est extrêmement important. Nous avons besoin d'un leadership mondial. C'est très important pour nous toutes et tous. Pour que ce rôle soit bien rempli, les membres du Conseil des droits de l'homme
doivent avoir une véritable compréhension de notre contexte historique, du contexte historique dans lequel ils évoluent et des nombreux défis qui y sont liés. Ils devront faire preuve de courage, vision, et ils devront être prêts à accepter le passage au crible de leur propre situation liée aux droits humains dans leur pays. Ils devront être prêts à demander la reddition des comptes des uns et des autres. Et ils devront être préparés à protéger l'intégrité du système des droits humains et l'indépendance des mandats de ce système. Et je dis cela car cela n'a jamais été aussi crucial pour tout le monde sur cette planète. Cela étant dit, je souhaite bonne chance à tous les pays candidats pour cette élection. J'ai hâte d'entendre vos propositions et d'assister à votre dialogue. Monsieur le modérateur, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Agnès, pour ces sages mots d'ouverture, de nous avoir lancés sur la bonne ligne aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir avec nous les co-organisateurs et les co-sponsors de cette réunion. Excellence, mesdames et messieurs, je suis vraiment ravie de vous souhaiter la bienvenue à l'événement sur les engagements du Conseil des droits humains 2022. Cet événement aujourd'hui permettra aux candidats au CDH pour 2023-2025 l'opportunité de présenter leur vision pour leur mandat et les priorités sur lesquelles ils vont travailler s'ils sont élus. C'est aussi une opportunité pour les parties prenantes de poser des questions aux candidats sur leur comportement en matière de droits humains ainsi que sur leurs engagements. Cet événement est devenu une partie importante du calendrier annuel des événements à New York et à Genève et le commissariat aux droits de l'homme est ravie d'être associée à cet événement, et ce depuis 7 ans. Je suis vraiment ravie de continuer cette tradition puisqu'il s'agit d'une opportunité de dialogue entre les parties prenantes et c'est un exercice important lié à la transparence et la reddition des comptes. J'aimerais en particulier remercier les 11 candidats qui ont accepté cette invitation aujourd'hui. Il s'agit de l'Afghanistan, de la Belgique, du Chili, du Costa Rica, de la Géorgie, de l'Allemagne, du Kirghizistan, des Maldives, de la République de Corée, de la Roumanie et de l'Afrique du Sud. Je souhaite applaudir leur volonté et leur implication et les remercier d'approcher cet exercice dans un esprit de transparence et de responsabilité. En ce qui concerne la transparence, sachez que tous les 18 candidats membres ont été invités à nous rejoindre aujourd'hui, mais 8 candidats ont soit décliné l'invitation ou n'y ont pas répondu. Il s'agit de l'Algérie, du Bahreïn, du Bangladesh, du Maroc, du Soudan, du Vietnam et du Venezuela. J'aimerais maintenant vous parler rapidement du format de cette réunion d'aujourd'hui. Lors de la séance d'ouverture, chaque candidat répondra en 90 secondes à une question concernant ce qu'ils souhaitent accomplir pendant leur mandat au niveau national et international. Lors de la deuxième partie, nous accepterons des questions venant du public, de vous tous. Ces questions proviendront de Twitter. Vous pouvez désormais utiliser le hashtag #HRCPledging, hashtag #HRCPledging, et nous répondrons aussi à certaines questions venant de l'option questions-réponses de Zoom. Nous prendrons des questions générales posées à tous les États, mais aussi à celles qui sont posées à des États spécifiques, précis, que ce soit ceux qui sont présents aujourd'hui comme ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Les questions posées via l'option questions-réponses peuvent aussi être likées. Donc, n'hésitez pas à ajouter un petit pouce levé aux questions posées par les autres lors de l'événement. Cela permettra aux organisateurs de comprendre quelles sont les questions qui génèrent le plus d'intérêt. Lors de la deuxième partie, de façon à ce qu'il y ait le plus de possibilités d'implication et de communication entre les candidats et le public, nous demanderons aux candidats d'être très brefs dans leurs réponses
en ne parlant pas pendant plus de 3 minutes. Si un représentant parle pendant plus de 3 minutes, je me permettrai d'aimablement vous demander de conclure. Je ferai cela car nous voulons pouvoir arriver au terme de notre discussion aujourd'hui. Nous avons pour but d'avoir une discussion riche et dynamique. Il y aura sûrement plus de questions posées que de temps disponible. Donc, toutes les questions qui seront posées et qui ne seront pas formulées aux candidats seront collectées, envoyées aux candidats respectifs et seront publiées en ligne également. Avant de passer aux candidats pour leur premier discours, je vais donner la parole à notre co-sponsor. Je vais maintenant inviter Son Excellence Maria del Carmen Squeff, la représentante permanente de l'Argentine aux Nations Unies à New York, de nous donner quelques mots de bienvenue de la part des co-sponsors. Madame l'ambassadrice Maria del Carmen Squeff, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, tout d'abord, je tiens à vous remercier Amnesty International et le Service international pour les droits de l'homme d'avoir invité la mission Argentine à cette importante rencontre. Je suis vraiment très honorée d'être ici avec la mission du Luxembourg. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les pays membres au Conseil des droits de l'homme qui sont ici en ligne aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre vos présentations et je vous remercie de votre participation. De ce fait, l'Argentine a été candidat au CDH et a eu l'opportunité de participer à d'autres éditions de cet événement, de ce même événement, ce qui nous a permis de partager nos engagements et nos objectifs comme membres de cet organe fondamental des Nations Unies pour renforcer la protection des droits de l'homme partout dans le monde. Je me permets de partager quelques réflexions sur l'histoire de mon pays et le rôle crucial du CDH. L'Argentine, en 2022, préside pour la première fois l'organe mondial le plus important des droits humains après une longue trajectoire de retour à la démocratie en 1983 qui a incorporé les droits humains en tant que partie de notre identité intégrant de notre identité en tant que nation, l'Argentine. Au Conseil, nous avons réussi à tout moment d'avoir un dialogue constructif pour avancer collectivement dans le développement progressif des droits humains internationaux partout dans le monde. Un exemple clair est le travail qui a été fait lié à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, une convention qui a été promue avec l'Argentine, entre l'Argentine et la France de façon active au sein du Conseil des droits de l'homme et qui est le produit d'une lutte de protection des droits humains sur de nombreuses dizaines d'années. Cette lutte a été menée par des organismes internationaux de défense des droits humains qui étaient liés par leur courage et qui ont promu une vraie défense des droits humains solidaire et désintéressée. Aujourd'hui, nous faisons partie des symboles de la lutte contre l'impunité à travers le monde. Cela montre le rôle essentiel du CDH pour avancer dans le développement progressif des droits humains, car c'est le Conseil qui a permis à l'Argentine et à la France de travailler sur cet instrument crucial contre l'impunité. Aujourd'hui, de plus en plus de pays ratifient cette convention. Chers collègues, la résolution 60/251 de l'Assemblée générale, dans sa partie préambulatoire, nous oblige à réaffirmer l'engagement
et renforcer le mécanisme des droits humains des Nations Unies afin de s'assurer que toutes les personnes puissent profiter pleinement de leurs droits humains. Et c'est une responsabilité très grande et nous ne devons pas perdre l'opportunité de créer un système universel, flexible, universel, important, un système qui permettra de pleinement jouir des droits fondamentaux grâce au dialogue et à la collaboration. C'est un désir profond que nous avons et qui permet au CDH de mener à bien sa mission. Et je tiens à rappeler que le respect de la diversité, la vérité et l'équité tiennent à cœur à l'Argentine dans notre politique intérieure et extérieure. Cela nous a permis de faire partie du CDH en tant que pays qui a souffert et qui a récupéré sa démocratie en tant que société de plein droit, pas à pas. Pour que, grâce à toutes et tous, l'Argentine, par le biais de son ambassadeur, fait partie du CDH et renforce le mécanisme des droits humains universel. Avec la mission du Luxembourg, nous vous remercions de nouveau à tous les candidats d'être présents aujourd'hui à cet événement virtuel et nous vous souhaitons le plus grand des succès lors des élections. Merci à tous, aux organisateurs de l'événement. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour cette ouverture. Toutes mes excuses. Il y a eu un petit problème technique sur le live YouTube, mais ça a été réglé, donc merci à notre équipe technique. Nous allons maintenant commencer notre discussion avec les candidats. Chaque candidat a reçu la même question à préparer pour cet événement. Cette question était la suivante. Qu'est-ce que le pays candidat souhaite accomplir à travers son mandat au CDH, à la fois au niveau national et international? Candidat, vous avez 90 minutes pour répondre. Et je vais donc tous vous demander de rester au sein de ces 90 minutes. Si vous dépassez, je vous le rappellerai. Nous allons procéder par ordre alphabétique, sauf si certains représentants nous rejoignent plus tard. Nous allons commencer par la représentative de la Belgique, la chef de section de la direction droits de l'homme du ministère belge des Affaires étrangères. La Belgique a ratifié ou adhéré à 16 des 18 principaux traités internationaux sur les droits de l'homme et leurs protocoles, a également adressé une invitation permanente aux procédures spéciales de l'ONU et a été membre en 2012 et 2018. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant remercier Amnesty International d'avoir organisé cet événement et de nous avoir laissé l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui. Au sein de son Conseil des droits de l'homme, la Belgique espère être efficace au sein de ce conseil et de pouvoir toucher tous les aspects de ce mandat. 4 thématiques seront axées selon le mandat de la Belgique. Tout d'abord, renforcer la responsabilité et l'état de droit qui sont essentiels pour les droits humains et la réalité de tous. Si le Conseil ne peut pas remplir son mandat sans la participation des défenseurs des droits de l'homme et de la société civile, les militants, les défenseurs des droits de l'homme seront au centre de notre attention. Nous voulions également renforcer l'égalité et réduire les discriminations, une thématique clé au centre de nos actions. Nous allons également prêter attention particulière aux femmes et aux jeunes filles. Enfin, guidés par le
principe de ne laisser personne pour compte, nous allons promouvoir tous les droits d'homme, que ce soit politique, civique, social, culturel, économique, et nous essayerons de démontrer la visibilité et l'interdépendance. Nous ne pouvons agir seuls, c'est évident. Le dialogue et la coopération avec les États membres et la société civile sera au cœur de nos actions. Aucun Conseil des droits de l'homme ne peut être parfait et dès lors, les candidats n'auront pas toujours la meilleure réputation. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir cédé la parole. Merci. Merci également d'être resté dans le délai qui vous était imparti. C'est grandement apprécié. J'aimerais également inviter le représentant suivant, Monsieur Thomas Pasqua, le directeur des droits de l'homme au ministère chilien des Affaires étrangères. Le Chili a ratifié ou accepté 17 des 18 traités des droits de l'homme principaux internationaux et leurs protocoles et a également étendu son invitation aux procédures spéciales des Nations Unies, a été membre du Conseil pour les mandats suivants 2008-2011, 2011-2014 et 2018-2020. Vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup. Nous remercions Amnesty International et les services internationaux pour les droits de l'homme, ainsi que la représentation de l'Argentine et du Luxembourg. Nous mettons une importance importante sur les organisations de la société civile. En effet, nous sommes fermement convaincus que les droits de l'homme sont essentiels. 85% de la population a participé à un référendum national au Chili qui s'est tenu dimanche dernier. Les résultats étaient les suivants. Le résultat a montré un shift de paradigme dans le pays. Cela a changé l'engagement politique de notre pays après la pandémie. Cela a été démontré clairement. Notre engagement est toujours le même, soit de travailler sur les axes les plus compliqués des droits de l'homme. Nous voulons également atteindre les zones les plus difficiles. Nous travaillons ensemble avec les organisations de la société civile, ce qui est important en termes de droits de l'homme. Cela nous permettra de renforcer notre système. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Certains me disent que mon audio ne passe pas. Je vais donc demander confirmation avant de continuer. Je pense que vous m'entendez tous et toutes. Merci. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Pascal. Ensuite, je voudrais inviter représentant distingué du Costa Rica, Son Excellence l'ambassadeur Christian Guillerme Fernandez, vice-ministre des Affaires multilatérales. Le Costa Rica a ratifié ou accepté 17 des 18 traités des droits de l'homme internationaux clés ainsi que protocoles et a également étendu l'invitation aux procédures spéciales des Nations Unies. Le Costa Rica a été un membre du Conseil pour le mandat 2011-2014. Monsieur l'ambassadeur Guillermo Fernandez, je vous cède la parole. Merci beaucoup et bonjour du Costa Rica. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue, une bienvenue chaleureuse à tout le monde d'Amnesty International. Merci également aux organisateurs ainsi que les représentants de l'Argentine et du Luxembourg, pays co-sponsor. Le Costa Rica est un acteur clé en ce qui concerne les droits de l'homme, que ce soit dans son histoire. Il s'agit d'un pays pilier pour les droits de l'homme, notamment au sein des Nations Unies. En 1993, nous avons soutenu
le Conseil des droits de l'homme avec tous les autres pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous avons notamment participé à la procédure qui a mené à la création et à la mise en œuvre de forums et d'activités ainsi que d'initiatives. Initiative créée par et menée par le Costa Rica dans son engagement poussé pour les droits de l'homme. Nous espérons avoir une société pacifiste et atteindre les objectifs de l'agenda 2023, soit respecter les droits de l'homme. Les objectifs de la communauté internationale sont essentiels pour nous et chers pour le Costa Rica. Un aspect fondamental pour nous est de renforcer les missions du Haut Commissariat. Merci beaucoup et nous sommes à votre disposition pour toute question. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, et également d'être resté dans les temps impartis. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant inviter le distingué représentant de la Géorgie, Son Excellence Ambassadeur Alexander Muzeradze, représentant permanent de la Géorgie auprès des Nations Unies et autres organisations internationales à Genève, pour prendre la parole. En effet, la Géorgie a ratifié ou accepté 15 des 18 traités des droits de l'homme internationaux clés. Et protocole a également étendu l'invitation à suivre les procédures spéciales des Nations Unies, a été également membre du Conseil pour le mandat 2016-2018. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de l'opportunité qui m'est donnée. Nous confirmons encore une fois l'importance du travail qui a été fait par le CDH. Nous aimerions donc renforcer et répondre aux crises humanitaires en tant que membres du Conseil. Nous voulons nous battre contre les violations des droits de l'homme. Nous voulons protéger, respecter les droits humains et leurs droits fondamentaux. La Géorgie a également fait des engagements envers les droits de l'homme et nous continuerons notre coopération avec les droits humains et notamment différentes Commission, nous voulons nous assurer de l'efficacité du Conseil, répondre aux procédures spéciales, nous engager dans différentes procédures, que ce soit avec la société civile, les ONG, les organisations internationales, et nous voulons booster, améliorer le rôle des différentes institutions. Nous sommes un groupe d'amis et de nations pour lesquelles la mise en œuvre est importante. Nous allons donc continuer à souligner l'importance et sensibiliser sur l'échange des bonnes pratiques et les mécanismes à mettre en place. La Géorgie va donc se concentrer sur une mise en œuvre détaillée du mandat en tant que membre du Conseil des droits de l'homme. Nous voulons protéger les droits des plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes filles, les enfants, les minorités, les personnes en situation de handicap et autres. Nous voulons promouvoir une nature multidimensionnelle, une approche qui se base sur les droits de l'homme, répondre aux défis environnementaux et également fournir un environnement qui soit sain et durable tout en étant pérenne. Nous voulons également nous concentrer sur les nouvelles technologies et atténuer toute violation des droits de l'homme. Nous allons donc vous soutenir et vous appuyer et aimerions participer au Conseil des droits de l'homme. Une représentation au sein de ce conseil nous donnerait une meilleure opportunité d'appuyer sur nos engagements. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces remarques, Monsieur l'ambassadeur. J'aimerais maintenant passer à la représentante distinguée de l'Allemagne, son excellente ambassadrice Katharina Stach, représentante permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies à Genève. L'Allemagne a en effet ratifié et accepté 16 des 18 traités et protocoles des droits humains internationaux clés et a également étendu l'invitation de suivre les procédures spéciales des Nations Unies. Ce pays a été membre du Conseil pour les mandats suivants 2006-2009, 2013-2015, 2016-2018 et enfin 2020-2022. Ambassadrice Stach, vous avez maintenant la parole. Nous avons différents problèmes techniques
Nous essayons donc de résoudre cette problématique. Merci de votre patience. Merci du soutien technique fourni. Devrions-nous revenir à l'Allemagne un peu plus tard? Oui, nous confirmons cette demande. Nous passons au pays suivant et ne manquerons pas de revenir à l'Allemagne lorsque les problèmes techniques seront résolus. Dans ce cas, je laisse maintenant la parole au représentant distingué du Kirghizistan, Son Excellence l'ambassadeur Olman Sultanov, représentant permanent du Kirghizistan auprès des Nations Unies à Genève. Le Kirghizistan qui a ratifié ou accepté 14 des 18 protocoles et traités des droits humains internationaux clés, qui a étendu l'invitation aux procédures spéciales des Nations Unies et qui a été membre du Conseil pour les mandats suivants 2009, 2012 et 2016-2018. Ambassadeur Sultanov, vous avez maintenant la parole. Merci, monsieur le modérateur. Le Kirghizistan soutient les droits de l'homme et déploie tous les efforts pour protéger et promouvoir les droits de l'homme qui sont fondamentaux. En ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme, il est selon nous une plateforme mondiale indispensable à la promotion des droits de l'homme. Notre engagement principal envers le CDH serait de notre pays d'inclure l'égalité des genres dans les politiques publiques, de se concentrer sur l'éducation et la justice. Nous allons renforcer la protection des droits des enfants, la protection des enfants de la violence notamment, et s'assurer que les enfants aient accès à une éducation inclusive et multilingue. Nous voulons renforcer les institutions des droits de l'homme et que tout organe soit indépendant. Si élu, nous nous concentrons sur le droit des femmes, des jeunes filles, des migrants, des personnes en situation de handicap et les groupes les plus vulnérables. Nous allons participer à ce groupe du Conseil des droits de l'homme. Merci, merci beaucoup. Merci. Je tiens maintenant à inviter le représentant distingué des Maldives, Son Excellence Dr Hassine Ahmed, ambassadeur et représentant permanent de la République des Maldives auprès des Nations Unies à Genève, de prendre la parole. Les Maldives ont ratifié ou accepté 14 des 18 protocoles et traités des droits de l'homme internationaux et clés et a étendu l'invitation à respecter les procédures spéciales des Nations Unies. Les Maldives étaient un membre du Conseil pour les mandats suivants 2010-2013 et 2014-2016. Ambassadeur Ahmed, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup au directeur du bureau de New York. C'est un plaisir pour nous de participer à cet événement. Je tiens donc à remercier tout d'abord le HCDH, le Service international pour les droits de l'homme et les pays co-sponsors de l'organisation de cet événement, les excellences, mesdames et messieurs, chers amis. Depuis 2018, nous avons déposé les fondations à un nouveau chemin démocratique. Aujourd'hui, notre cadre développement encourage la liberté, les droits de l'homme et un gouvernement inclusif qui respecte la démocratie et l'état de droit. Voici donc des points importants à notre ordre du jour. Nous voulons donc faire respecter ces idées. Nous voulons promouvoir la démocratie et nous pensons que notre expérience pourra enrichir les perspectives du Conseil. Nous pensons en effet qu'un mandat au sein du Conseil permettrait de renforcer les droits de l'homme et fournira une opportunité sans faille pour nous de s'engager et de promouvoir les droits de l'homme. Nous aimerions donc créer un Conseil des droits de l'homme qui soit inclusif et divers. Nous aimerions atteindre l'égalité des genres, valoriser les femmes, les jeunes filles
Nous voulons donc promouvoir un changement qui soit durable depuis 2006. Nous avons suivi le mandat des procédures spéciales qui ont notamment été renforcées ces trois dernières années, mesdames et messieurs, en tant que représentants permanents des Maldives auprès des Nations Unies de Genève. Nous allons promouvoir et protéger les droits humains pour les marginalisés, les plus petits pays, et ce, afin de s'assurer que personne n'est laissé pour compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ambassadeur Ahmed. J'aimerais maintenant inviter le représentant distingué de la République de Corée, Madame Jo Yong-Kong, directrice générale pour les organisations internationales du ministère coréen des Affaires étrangères. La République de Corée a en effet ratifié ou accepté 11 des 18 protocoles et traités des droits humains internationaux clés et a également étendu l'invitation au respect des procédures spéciales des Nations Unies. La République de Corée était membre du Conseil pour les mandats suivants 2006-2008, 2008-2011, 2013-2015, 2016-2018 et 2020-2022. Directrice générale Kang, vous avez maintenant la parole. Merci, merci beaucoup. J'aimerais maintenant remercier les organisateurs et les co-sponsors d'avoir généré cet événement. La République de Corée, au sein du Conseil des droits de l'homme, aimerait promouvoir les valeurs universelles des droits de l'homme au niveau national et international. À l'échelle nationale, il s'agit d'une opportunité pour nous de s'assurer de la conformité des instruments des droits de l'homme auxquels la Corée s'est pliée, ainsi que de renforcer les instruments et outils des droits de l'homme. Ces dernières années, nous avons notamment participé à différentes procédures et incorporé les recommandations d'un plan national des droits de l'homme. La Corée va continuer à se concentrer sur la promotion des droits des personnes les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes en situation de handicap, les migrants et les réfugiés. Nous aimerions également étendre les frontières des droits de l'homme en menant des discussions avec les gouvernements locaux et promouvoir un espace des droits de l'homme en développant les technologies nouvelles et numériques. Nous aimerions également, en tant que pays qui a reçu pouvoir donner, et nous comprenons également que certains pays cherchent à atteindre des buts durables et pacifiques. Dès lors, nous voulons renforcer nos capacités pour la promotion des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci, directrice générale Kang. Ensuite, j'aimerais passer la parole au représentant distingué de la Roumanie, son Excellence l'ambassadeur Cornel Ferruta, représentant permanent de la Roumanie auprès des Nations Unies à New York. Roumanie qui a ratifié ou accepté 13 des 18 protocoles et traités des droits humains internationaux clés et qui a également invité à respecter les procédures spéciales des Nations Unies. La Roumanie était un membre du Conseil pour les mandats 2006-2008 et 2011-2014. Ambassadeur Ferruta, nous vous cédons la parole. Merci, merci beaucoup au modérateur. Je suis donc secrétaire d'État au sein du ministère et il me faut encore prendre poste à New York fin de cette semaine. Nous avons avec nous son Excellence l'ambassadeur Razvan Rousseau, représentant permanent de la Roumanie au bureau des Nations Unies à Genève. Et nous apprécions l'interaction et cette chance qui nous est donnée de prendre la parole. Nous espérons donc que siéger au Conseil des droits de l'homme pourra nous aider dans notre chemin vers la responsabilité. Nous avons une approche holistique envers les droits de l'homme et la démocratie. Deux thématiques sérieuses et nous devrions tous mettre en place des actions à l'échelle individuelle et collective, notamment au sein du Conseil des droits de l'homme. Au début de cette conversation, nous avons insisté sur le contexte spécifique dans lequel nous nous trouvons. Je m'adresse au Conseil des droits de l'homme et j'y ai parlé moins d'une semaine après l'invasion de la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit pour nous tous
d'une piqûre de rappel douloureuse pour tous les pays qu'il nous faut être déterminés et résolus dans les actions mises en place. Alors que nous travaillons à ce mandat des conseils des droits de l'homme, nous le faisons avec grande introspection. C'est une opportunité pour la Roumanie de promouvoir au niveau international les valeurs dans lesquelles nous croyons, qui sont au cœur de l'ordre international et qui nous permettront de continuer le dialogue. S'assurer que rien n'est laissé pour compte. Nous allons donc insister sur le dialogue avec la société civile, que ce soit en Roumanie ou à l'étranger. Nous avons identifié les points clés d'intérêt. Toutefois, aucun de ces points d'intérêt ne sera laissé de côté. En effet, les droits de l'homme et la liberté fondamentale doivent être promus. Nous allons donc nous concentrer sur la démocratie, sur les droits de l'homme et l'état de droit. Nous allons en effet nous concentrer sur la promotion des droits de l'homme, notamment des femmes et des jeunes filles. Nous voulons également réfuter tout type de discrimination, de racisme ou également favoriser la liberté d'expression. Nous allons nous baser sur notre expérience nationale et internationale pour renforcer notre dialogue avec la société civile ainsi que toute structure pertinente et adéquate. Voici donc notre approche pour notre mandat au Conseil. Merci, merci beaucoup pour ces remarques. Ensuite, j'aimerais inviter le représentant distingué d'Afrique du Sud, Son Excellence l'ambassadeur Matthew Jovini, représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies à New York. En effet, l'Afrique du Sud a ratifié ou accepté 14 des 18 protocoles et traités des droits de l'homme internationaux et essentiels et a également étendu l'invitation de respecter les procédures spéciales des Nations Unies. L'Afrique du Sud était un membre du Conseil lors des mandats 2006-2007, 2007-2010, 2014-2016 et 2017-2019. Ambassadeur Jorini, vous avez maintenant la parole. Merci, merci beaucoup. J'aimerais remercier l'invitation qui nous a été donnée. Les candidats vont également être validés au niveau de l'Union africaine et ce, afin d'améliorer les droits de l'homme. Cela fait partie d'une des plus grandes difficultés de l'Afrique du Sud avec notre liberté en 1994 et qui a été écrit dans notre constitution en 96. Dès lors, c'est ancré dans notre constitution. Nous avons fait et nous sommes engagés à la promotion et à la protection de l'avancement des droits de l'homme et de la promotion de la liberté. Cela a également permis de passer, de faire une transition à ce que nous connaissons maintenant comme le Conseil des droits de l'homme. Nous nous engageons à travailler avec tous nos partenaires et ce pour renforcer le système des droits de l'homme, que ceux-ci soient respectés, promus et protégés partout dans le monde et que chacun puisse profiter pleinement de ses droits de l'homme sans discrimination. Ce n'est pas d'un côté les droits civiques et sociétals d'un côté et économiques de l'autre. En effet, l'Afrique du Sud a signé la déclaration aux droits du développement, première déclaration qui cadre et stipule que les droits de l'homme sont égaux et indivisibles et que chacun puisse donc avoir accès à ses droits pour le développement des personnes, des communautés et des sociétés. Nous allons donc promouvoir le respect de l'intégrité et de la dignité de ce bureau. Nous allons également soutenir le HCDH et notamment les programmes au sein de ce bureau. Nous soutiendrons les droits de l'homme à l'échelle internationale, soutiendrons donc le bureau international et national, mettrons en place des procédures et des mécanismes au sein de ce Conseil des droits de l'homme. Nous répondrons donc à toute personne qui en a besoin. Merci, merci beaucoup. Ambassadrice Jorini, merci, merci beaucoup. J'aimerais maintenant inviter
le représentant distingué, Son Excellence, Monsieur Nasir Ahmad Andisha d'Afghanistan, représentant permanent de l'Afghanistan auprès des Nations Unies à Genève, qui a ratifié ou accepté 11 des 18 protocoles et traités des droits humains essentiels clés et a également étendu l'invitation à respecter les procédures. Il a également été membre lors du mandat 2018-2020 de ce conseil. Vous avez maintenant la parole. Merci, merci beaucoup. M'entendez-vous? Oui, nous confirmons vous entendre. Merci aux organisateurs de nous avoir donné l'opportunité. Je suis peut-être un membre proactif, notamment lors de mon mandat 2018-2020 en tant que président de ce conseil. Cela fait peut-être deux décennies déjà que nous mettons en valeur la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau national et international. Je pense que nos actions parlent d'elles-mêmes. Nous avions un des meilleurs documents avec 20 membres à son ébauche en 2018. Toutefois, maintenant, nous ne pouvons seulement nous réengager pour la reconnaissance et la protection des droits fondamentaux des personnes. Nous connaissons la situation actuelle dans le monde en termes de droits de l'homme et nous vous demandons, chers membres des Nations Unies, d'offrir vos engagements à nos personnes et de nous élire avec pleine conscience. Chacun mérite son siège au Conseil des droits de l'homme et la candidature de l'Afghanistan peut être inhabituelle pour certains. Nous avons peut-être les pires abuseurs dans le monde, notamment Kaboul, mais nous pouvons parler avec autorité en ce qui concerne les problématiques des droits de l'homme. Nous en avons l'expérience. Et nous devrions nous concentrer sur ces problématiques et leur résolution. Il faut, et cela a été reconnu en avril 2022 avec la nomination d'un rapporteur spécial sur la situation de l'Afghanistan, nous voulons consolider l'engagement du Conseil via la désignation d'un rapporteur spécial pour étudier la situation des femmes et des jeunes filles en Afghanistan. J'aimerais terminer sur une anecdote historique. Lors d'une mission en Allemagne nazie au nom d'autres pays, nous avons tenté d'aider les Juifs et de les sauver. Je finis, laissez-moi terminer s'il vous plaît, monsieur le modérateur. Il agissait donc pour respecter la volonté des personnes sur place. Et ici, nous voulons, via cette candidature, respecter le peuple afghan. Merci, merci beaucoup. Je comprends donc que l'Allemagne a des difficultés techniques et à moins que l'on ne me corrige, l'Allemagne ne peut pour l'instant prendre part et se connecter correctement à cet événement. Dès lors, nous allons continuer et nous laisserons à l'Allemagne l'opportunité de pouvoir prendre la parole plus tard. Nous allons donc continuer. J'aimerais remercier tous les pays candidats pour leurs efforts de faire leur plaidoyer dans le délai imparti. Et nous avons maintenant inclus la première partie de cette discussion, tous les pays candidats, à l'exception de l'Allemagne, à qui l'opportunité lui sera donnée dès les problèmes techniques réglés. J'aimerais maintenant passer à la partie questions, notamment la première question, question qui a été adressée aux pays candidats du public. Nous allons donc vous demander que les questions envoyées par le public soient brèves et concises, et ce afin que chacun des candidats puisse contribuer. Les questions peuvent être de nature générique, c'est-à-dire posées à tous les candidats, ou encore s'adresser à un pays candidat particulier. Nous aimerions répondre à au moins une question par pays candidat et aucun pays candidat ne répondra à plus de 3 questions qui lui auraient été dirigées spécifiquement.
Chaque candidat disposera donc de 2 à 3 minutes pour répondre à la question posée. Nous essayerons de rester dans les délais impartis. Nous avons de nombreuses questions qui ont été posées par l'audience. Nous passons donc à la première série de questions. Je vais donc regarder celles qui m'ont été posées. Nous voyons donc... Un instant, s'il vous plaît. There we are. So these are being collated for us by our team from the organizers. Ces questions ont été collectées par notre équipe d'organisateurs et avant de lire certaines de ces questions qui sont adressées à certains pays en particulier, nous allons commencer par des questions générales. Tout d'abord, si vous êtes élu, quelles seront les actions que vous prendrez par rapport à la Chine, étant donné le rapport concernant les abus du gouvernement à Xinjiang, la possibilité de crimes contre l'humanité. Donc, que ferez-vous pour assurer la reddition des comptes à ce sujet? C'est une question de Human Rights Watch. Je vais maintenant donner la parole au candidat pour qu'il puisse répondre. Pardon, Craig, est-ce que vous pouvez poser les questions spécifiques adressées au pays précisément, et ensuite on passera aux questions générales si on a assez de temps? Oui, d'accord, pas de problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les questions qui sont adressées spécifiquement aux membres. Ensuite, je demanderai aux membres de prendre les questions. Et quand j'aurai fini de lire les premières questions, la première liste de questions, je vous donnerai la parole pour y répondre. Tout d'abord, pour l'Afrique du Sud, est-ce que l'Afrique du Sud continuera à s'abstenir lors des résolution sur le point 7 en particulier? Je reviendrai vers vous. L'Afrique du Sud pour une réponse. Roumanie, nous avons une question pour vous. Quelles actions concrètes prendrez-vous pour améliorer la situation liée aux violences policières à travers le monde contre les manifestants? Donc, quelles sont les solutions que vous proposerez pour faire face à ce problème de violence contre les protestants, les manifestants? Maintenant, pour la Corée, question de Civicus. Il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations concernant les militants par rapport à la communication intercorée et les contacts informels qui seraient contre la loi nationale de sécurité. L'article 7 de cette loi qui nous vient de la guerre froide permet au gouvernement de charger toute personne qui incite les activités d'une organisation anti-gouvernementale. Cette clause est critiquée par nombre de groupes des droits humains. Quelles seraient les mesures que vous pourriez prendre face à cette situation? Les Maldives, maintenant, les Maldives ont seulement accepté certains des droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits humains. Le Parlement incite
à ce que l'homosexualité devienne un crime encore plus pénalisé qu'il l'est maintenant. Donc, quel type de contribution est-ce que les Maldives souhaitent faire en matière de droits humains, étant donné qu'ils ont un comportement lié aux libertés et aux droits humains eux-mêmes assez compliqué dans leur pays? Est-ce que le gouvernement souhaite faire une déclaration par rapport à l'article 21 de la Convention contre la torture pour recevoir les communications des personnes soumises à cette juridiction? Voilà les questions qui vous ont été posées de façon individuelle. Les autres candidats peuvent aussi répondre à la première question que nous avons posée de la part de Human Rights Watch. Si vous souhaitez prendre la parole, je vais vous donner la parole. I see we don't have the electronic function working to request the floor, so I'm going to simply proceed one by one and first offer the floor to Ambassador Sultanov. Nous allons faire un par un. Nous allons commencer par l'ambassadeur Sultanov. And again, I'm sorry if we could keep this to just a couple of minutes. Et encore une fois, je suis désolée, mais vous n'avez que 2 minutes. Merci de respecter le temps qui vous est imparti. Ambassadeur, vous avez la parole. Go ahead. So, could you please repeat the question? Est-ce que vous pourrez répéter la question? Ça venait de OMCT, c'est ça? Par rapport à l'article 122? Est-ce que le gouvernement va faire une déclaration par rapport à l'article 21 et 22 de la déclaration contre la torture, reconnaissant la compétence du comité contre la torture et leur permettant de recevoir des plaintes de personnes concernées? Oui, nous sommes en train de revoir nos procédures internes en ce moment à ce sujet. C'est une réponse courte. Merci. Je vois une main levée. Je vous encourage donc, participants et participantes, à utiliser l'option main levée pour que je puisse vous donner la parole. Tout d'abord, je vais donner la parole à Christian Guillermé. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci pour les questions. Du point de vue du Costa Rica, nous voulons, en ce qui concerne la Chine, nous voulons utiliser le CDH pour contribuer au renforcement des droits humains à l'échelle mondiale, sans aucune distinction. Et particulièrement dans un contexte que l'on sait très grave au niveau mondial, avec de nombreuses crises qui sont liées, que ce soit en ce qui concerne les droits humains, la situation sanitaire, mais aussi avec les menaces du changement climatique et les problèmes d'inégalité et de pauvreté. L'interconnexion des droits humains, des droits civils et politiques et des libertés est absolument fondamentale pour le Costa Rica dans le cadre de son mandat potentiel au sein du CDH. En ce qui concerne la Chine, nous voulons avancer avec les plus hauts standards de protection des droits humains, mais en ayant une vocation de dialogue avec tous les États. Et c'est ça le plus important, utiliser absolument toute une gamme d'outils qu'offre le CDH pour avoir un dialogue, pour progresser dans la promotion et la protection des droits humains. Et tout ce qui est les biens publics mondiaux. C'est une chose qui est fondamentale pour la mission du CDH. Le développement se base sur le chemin parcouru en matière de protection des droits humains. Mais
Il y a au sein du Conseil des pays qui ont d'autres réalités, d'autres contextes. Ce n'est pas un endroit où nous allons donner un sentiment de honte à certains pays. C'est l'inverse. Ce sera un lieu de discussion, de dialogue pour avancer ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous dire que l'Allemagne nous a rejoints et dès que nous aurons fini de répondre aux questions, je donnerai la parole à l'Allemagne pour ses remarques d'ouverture et je vais maintenant donner la parole à l'Afrique du Sud. Merci et merci pour cette question. L'Afrique du Sud estime faire face à toutes ces problématiques en accord avec la Convention. Nous voulons également encourager de plus en plus de dialogue par rapport à tous les problèmes présentés et en particulier tout ce qui concerne cette résolution. Merci. Merci beaucoup à l'Afrique du Sud. Je vois que nous avons une réponse également du Chili. Monsieur Pasquale. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En ce qui concerne la question de la Chine, ce qui est important pour nous, c'est justement le multilatéralisme, la discussion au sein du Conseil. Le respect de la légitimité de la protection des droits humains et c'est la possibilité que nous donne le CDH. Nous soutenons ce système de défense des droits humains au niveau national et international. C'est quelque chose de fondamental. Il y a eu un rapport il y a quelques années qui faisait des recommandations justement pour avancer dans le respect des normes et nous devons nous assurer que le CDH respecte ces normes. J'ai pleine confiance dans le travail du Haut Commissariat et nous devons travailler tous ensemble avec tous les États, la société civile. Il est important d'encourager le multilatéralisme. Et la protection des droits humains doit toujours être au centre. Le Chili met en place les plus hautes normes de protection des droits humains dans son propre pays et souhaite le faire à l'étranger également, à l'international. Nous souhaitons mettre en place et perpétuer au sein du CDH une approche collaborative pour protéger les droits humains de toutes les personnes partout dans le monde. Merci beaucoup. Maintenant, une réponse de la Roumanie. Merci beaucoup. En ce qui concerne la question sur les libertés à travers le monde au sein du CDH, ces libertés fondamentales sont cruciales et il faut que nous fassions de notre mieux pour soutenir les libertés de nos citoyens. C'est vraiment le tissu fondamental de la démocratie et c'est d'une importance cruciale pour nous tous de faire en sorte que les citoyens à travers le monde aient droit à toutes ces libertés fondamentales, notamment à la liberté d'expression. Nous voulons, avec les autres membres du Conseil, faire en sorte de renforcer les outils qui permettent de soutenir la liberté d'expression. Je dirais que c'est une des libertés fondamentales sur lesquelles il ne faut jamais transiger. Et nous devons faire en sorte de créer les espaces nécessaires pour
que tous les citoyens puissent s'exprimer librement. Voilà l'approche qui est la nôtre. Nous voulons promouvoir cette liberté. Et nous ferons cela en nous nourrissant de notre expérience propre au niveau national en Roumanie. Merci beaucoup. Réponse aux questions de la République de Corée. Tout d'abord, merci pour votre question. C'est une question importante. On nous la pose souvent. En ce qui concerne la République de Corée, l'acte de sécurité nationale est crucial pour maintenir la sécurité dans notre pays, étant donné la situation très particulière sur la péninsule coréenne. On est officiellement toujours en guerre. Mais elle peut être parfois mal utilisée. Nos cours font en sorte d'utiliser cet acte comme il se doit, de façon à ce que la liberté d'expression ne soit pas limitée. De même que les autres libertés qui sont garanties par les droits humains qui sont ancrés dans notre constitution. Merci. Merci. Je pense que nous avons une réponse des Maldives. Merci. Merci pour votre question. La constitution des Maldives reconnaît spécifiquement l'importance de la liberté d'expression et d'association. Cela fait partie de notre démocratie et de notre constitution de 2008. Nous voulons favoriser l'engagement politique et toutes les libertés fondamentales. Cela fait partie de l'état de droit qui est promu à travers notre État. Le gouvernement est pleinement engagé à créer l'espace nécessaire pour l'expression de la société. En 2018, le gouvernement a abrogé l'acte de diffamation qui limitait les libertés d'association et d'expression, particulièrement en ce qui concerne la liberté de la presse. Au niveau international, nous avons aussi été très impliqués avec nos partenaires dans la promotion de ces libertés, notamment au sein du CDH. Nous avons travaillé très dur à ce sujet avec nos partenaires. Ce sont, comme je le disais, des libertés qui sont fondamentales car elles sont garanties par notre Constitution également. Nous demandons aux autorités d'être vigilantes et de faire en sorte que nos droits fondamentaux soient bel et bien respectés. Nous sommes à la fin de ce premier tour de questions. Suite à des difficultés techniques, je vais maintenant donner la parole aux représentants de l'Allemagne, car ils n'ont pas eu l'occasion de faire leur petit discours d'introduction de 90 secondes. Ensuite, nous aurons un deuxième tour de questions. Je vais être un peu plus intransigeant. Nous prendrons une question l'une après l'autre. Vous n'aurez pas autant de temps pour préparer vos réponses. Mais j'aimerais donc, comme je le disais, donner l'opportunité à l'Allemagne de prendre la parole. Il faut que je retourne tout en haut de mes notes, pardon. L'Allemagne est représentée par Son Excellence Katharina Stach, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire et représentante permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies à Genève. L'Allemagne a ratifié 16 des 18 principaux traités internationaux sur les droits humains et leurs
protocole et elle a été membre en 2016-2018, 2021-2022 et d'autres mandats également avant cela. Et elle a également adressé une invitation permanente aux procédures spéciales de l'ONU. Vous avez la parole. Merci beaucoup de nous avoir invités et merci pour votre patience. Je suis Katharina Stach, vice-présidente du CDH, représentante permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies à Genève, et à côté de moi, Antje Lehnse, qui est représentante permanente de l'Allemagne auprès des Nations Unies à New York et qui a également été vice-présidente du CDH. Le CDH est un des piliers du système des Nations Unies par rapport aux droits humains et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ce que nous voulons accomplir dans ce nouveau mandat du CDH, je vais vous donner plusieurs points. Tout d'abord, nous avons utilisé notre position par le passé pour promouvoir les droits humains dans la société. Et nous voulons aussi encourager la participation des ONG au sein du CDH. C'est une chose que nous avons déjà fait par le passé. Deuxièmement, l'égalité des genres et les droits humains. Le CDH correspond aux droits humains et à la représentation. Nous continuerons à nous battre pour les droits de toutes les femmes et les filles à travers le monde et à les autonomiser et à les encourager à jouir de leurs droits. Nous continuerons également à défendre et à protéger les personnes et les droits humains liés au changement climatique. Au niveau national, maintenant, il est vrai que protéger les droits humains, ça commence chez nous. Nous continuerons à améliorer la situation des réfugiés et des migrants. Et nous remercions aux différents ONG, aux différents instituts allemands qui nous rappellent tout le temps ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'Allemagne. Nous sommes ravis de vous accueillir enfin. Je vais maintenant poser une nouvelle série de questions. Ces questions seront donc posées une par une. Je vais poser la question et ensuite je demanderai à l'État concerné de répondre directement. Nous avons une question pour la Géorgie, question de l'OMCT qui demande, est-ce que le gouvernement a pour plan d'établir une nouvelle agence indépendante de l'État pour faire des recherches sur la torture qui remplacerait les services d'inspection de l'État qui ont été dissous en 2022. Donc, pensez-vous remplacer ce service des inspections d'État qui a été dissous en 2022? Vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette question. Les inspecteurs de ce service étaient responsables de prendre des décisions liées à ce mécanisme indépendant. Et je pense que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires de façon à éviter tout type d'abus des droits humains dans notre pays, comme à l'étranger, comme à l'international. La Géorgie est déjà très engagée auprès de nombre de mécanismes de protection des droits humains. Je vous remercie. Merci. J'ai une question pour l'Allemagne de la part du Centre des droits humains et de la démocratie en Afrique. L'Allemagne promet de protéger, promouvoir les droits des enfants lors des conflits armés. Il y a eu un boycott des écoles dans deux régions au Cameroun ces 6 dernières années, initié par des groupes séparatistes armés non étatiques. Comment est-ce que cela peut être
quelles sont les mesures que l'Allemagne pense pouvoir prendre au sein du CDH par rapport à ce problème-là? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, ce qui se passe sur le terrain a beaucoup d'importance par rapport aux principes que nous respectons. Nous sommes en accord avec ce qui est fait à Genève et à New York par rapport à la promotion des droits des enfants en zone de conflit armé. J'ai travaillé avec la commission du Cameroun, mais je n'ai pas de réponse exacte encore. Nous le ferons sur Twitter par la suite, mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il est important qu'il y ait des résolutions bien formulées qui permettent de promouvoir les droits des enfants dans les zones de conflit armé et qu'elles soient véritablement mises en place sur le terrain. Merci beaucoup l'Allemagne pour cette réponse. Maintenant, le Costa Rica. Cette question vient de CEPAS, le Centre de justice et de paix. La question est la suivante. Comment est-ce que votre État perçoit le soutien du renouveau de la mission sur le terrain au Venezuela et quelle est votre opinion par rapport au fait qu'un pays où les droits humains sont bafoués, tels que le Venezuela, puisse ou ne puisse pas être candidat au CDH? Vous avez la parole, Costa Rica. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, le Costa Rica souhaite siéger au CDH pour protéger des biens publics mondiaux qui sont fondamentaux pour nos sociétés. C'est sans aucun doute pour promouvoir les droits humains. Nous pensons avoir le droit de présenter notre nom pour être candidat au Conseil des droits de l'homme. Je pense que notre mandat au CDH dépend de notre élection, puisqu'il s'agit d'une élection démocratique. Le Costa Rica jouit de différents outils qui permettent la protection des droits humains. C'est vrai qu'il y a des situations particulières dans certains pays et le but, c'est de partir de cela pour promouvoir la protection des droits humains, mais tout doit être basé sur le dialogue. Ça ne sert à rien de faire des rapports s'il n'y a pas de vrai dialogue avec les pays. Et il ne faut pas rester uniquement sur du montrage de doigts, sur des accusations. Il faut trouver des solutions. Et en particulier dans cette situation difficile à laquelle nous faisons face et que nous souhaitons surmonter, telle que par exemple la guerre au milieu de l'Europe. Il faut trouver des solutions pour cela aussi en matière de droits humains. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner d'accusations, mais il faut aussi laisser la porte ouverte au dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons maintenant passer au Chili. Nous avons la même question qui vous a été posée de la part de CEPAS, ce centre de justice et de paix. Je vais donc répéter la question. Comment voit votre État l'appui de ce renouvellement de cette mission au Venezuela et quelle est votre opinion puisqu'il s'agit d'un pays où les droits humains ont été violés grandement et que le Venezuela est également candidat pour siéger au Conseil des droits de l'homme? Merci beaucoup pour la question qui m'a été posée. Le Chili a fait partie d'un groupe clé qui a mené à l'ébauche de la résolution et de cette mission d'observation en 2019.
Cette année, le Chili fait également partie de ce groupe qui travaille à nouveau sur la résolution de cette mission. Nous cherchons à être cohérents en utilisant les mécanismes qui ont été fournis par le Conseil. Nous aimerions donc les accompagner. Nous pensons que cette résolution présentée cette année sera importante. Cela est également reconnu par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le HCDH. Il s'agit d'un point important. Il ne s'agit pas seulement d'une question qui permettrait de générer des rapports de mécanismes, mais également de décider de ce qui a eu un impact réel. Cela nous permettra ensuite d'améliorer la situation des droits humains. Et nous pensons qu'il s'agit d'une solution qui peut s'appliquer au Venezuela dès 2024. En ce qui concerne l'opinion du Chili quant à cette candidature, nous pensons que personne n'a un bilan parfait, aucun pays candidat. Et dès lors, nous avons tous une situation qui est la nôtre, qui est complexe, et qui doit être examiné par les organes et institutions onusiennes. Il faut garder à l'esprit que chaque pays fait face à différentes problématiques. Le Chili est donc ouvert à la candidature du Venezuela et de travailler avec la société civile et tout autre partenaire qui permettrait donc de renforcer le bilan des droits de l'homme dans notre pays. Merci, merci beaucoup. Nous avons maintenant une question pour la Belgique d'une organisation appelée 11-11-11 qui est une coalition d'ONG, de syndicats, de mouvements et de groupes solidaires en Flandre. 11-11-11 demande donc la question suivante à la Belgique. Le Conseil des droits humains a décidé de cesser le mandat de la commission pour l'enquête du Burundi et a ensuite désigné un rapporteur spécial d'un mandat d'un an. Avec de nombreuses incertitudes en ce qui concerne la continuité d'un organe de suivi international indépendant, les acteurs de la société civile ont demandé le renouvellement de ce mandat du rapporteur spécial. Comment la Belgique pourrait donc s'assurer d'un modèle de suivi pérenne en tant que membre du Conseil, en tant que membre du CDH, donc? Merci, Monsieur le modérateur, pour cette question. J'aimerais toutefois souligner un point, et Madame Calamar a souligné cette phrase dans son allocution de bienvenue. Il faut également être préparé à tenir d'autres membres comme responsables. Nous sommes un pays qui, la Belgique, a déjà pointé du doigt certaines personnes et les a tenues pour responsables. Dès lors, nous voulons contribuer à un conseil qui puisse répondre à tous les aspects du mandat. Je pense qu'il s'agit d'un point important. Le Conseil doit pouvoir répondre à des situations de violation des droits de l'homme. J'aimerais donc souligner que la Belgique fait partie de l'Union européenne et a été à l'initiative d'une résolution des droits de l'homme. Il s'agit ici d'une initiative de l'Union européenne que d'envoyer un rapporteur spécial. Je souligne encore une fois que la Belgique fait partie de l'Union européenne et donc a soutenu cette initiative. Nous sommes pleinement préparés à prendre la responsabilité et à continuer les dialogues avec différents pays. Cela est d'importance. En effet, nous voulons parler des inquiétudes et ébaucher des possibilités d'avancement en termes de droits de l'homme. Merci, merci beaucoup, madame. Nous avons ensuite une question pour l'Afghanistan
question qui nous vient de Forum Asia, du Forum donc asiatique pour les droits de l'homme et le développement. Comment la mission de l'Afghanistan auprès des Nations Unies et sa représentation diplomatique peut remplir ses engagements de responsabilité en Afghanistan? Question posée donc à l'Afghanistan de la part de Forum Asia. Merci, merci beaucoup pour cette question qui nous est posée et qui est pertinente suite à la situation de notre pays. Comme je l'ai mentionné lors de ma précédente déclaration, élire l'Afghanistan et lui donner un siège au Conseil serait un engagement de la communauté internationale de garder au sein de ses priorités une amélioration de la situation en Afghanistan. Nous nous concentrons sur les droits de l'homme et la situation humanitaire dans le pays. Dès lors, ici, il s'agirait d'une plateforme qui favoriserait la discussion sur ce pays qu'est l'Afghanistan, faire avancer les droits de l'homme dans notre pays de la meilleure des manières suite aux circonstances qui nous sont données. Même en tant qu'observateur, ces dernières années, nous avons mis en place une délégation de femmes afghanes de partout dans le monde. Grâce à cette plateforme, cela nous permettra que les yeux soient rivés sur l'Afghanistan et que nous puissions mettre en place des activités et des dialogues. Nous espérons donc que via un siège au Conseil des droits de l'homme, nous pourrons promouvoir et protéger les droits de l'homme dans notre pays. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous allons maintenant passer à une autre série de questions. En effet, il y a de nombreux candidats qui n'ont pas accepté l'invitation ou n'y ont pas répondu. Toutefois, les organisateurs pensent que eux également devraient recevoir ces questions, questions qui seront posées en ligne. Ces questions sont donc dirigées aux pays qui n'ont pas participé à cet événement aujourd'hui, le but étant que les questions soient mises en lumière. Nous avons une première question pour l'Algérie, qui vient du Centre de justice en Algérie pour la protection des droits de l'homme. Les questions sont les suivantes. Les personnes détenues dans le cadre de la garde à vue ne bénéficient pas de l'assistance juridique conformément à l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Cette détention n'est pas soumise à un contrôle judiciaire sur sa légalité conformément à l'article 9, paragraphe 4 du PIDCP. Dès lors, la question est la suivante. Quelles sont les mesures législatives qui vont être entreprises pour remédier à ces violations du PIDCP? Voici donc la fin de cette question dirigée à l'Algérie. Nous avons ensuite une question pour le Maroc qui vient du réseau indépendant des commissions indépendantes d'Afrique, le CIDH Afrique. La question est la suivante. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer la loi de 1958 pour que les associations puissent garantir la liberté d'expression au Maroc et son harmonisation, sa conformité avec les normes internationales des droits de l'homme? Nous avons ensuite une question pour le Soudan qui vient de Defend Defenders, soit un projet de défenseurs des droits humains en Afrique. La question est la suivante. Comment les autorités de facto cherchent à réconcilier le fait que le Soudan est suspendu de l'Union africaine et également que le Soudan demande à siéger au CDH? Quelles sont les étapes immédiates que les autorités de facto cherchent à prendre pour restaurer un gouvernement mené par la société civile? Il y a également une question qui était dirigée au Bahreïn, qui vient du centre du Golfe pour les droits humains. La question est la suivante. Suite au désir du Bahreïn de rejoindre le CDH, est-ce qu'il fera une démonstration de son engagement de fixer un standard, une norme plus importante en matière de droits de l'homme
en relâchant les prisonniers de conscience, soit Abdulhadi Al-Kawaja, Abdoujajil Al-Singassé et Naji Fatil, qui sont des défenseurs des droits de l'homme qui ont été torturés et qui ont fait face à une longue peine de prison alors qu'il s'agissait de militants pacifistes. Nous avons ensuite une question du Bangladesh, de la part de Inclusive Bangladesh. La question est la suivante: quelles sont les étapes prises par le Bangladesh pour reconnaître les droits de l'homme de la communauté LGBTIQ+ au Bangladesh? Ensuite, une question qui a été posée pour le Vietnam, qui vient du projet 88. La question est la suivante. Dans sa note verbale, le Vietnam a mentionné s'engager responsablement dans le travail du CDH et promouvoir aussi bien le rôle que l'efficacité du Conseil en portant attention particulière aux droits des groupes vulnérables et à l'impact du changement climatique sur les bénéfices des droits de l'homme. La question continue enfin en disant: pourtant, en 2021-2022, le gouvernement a arrêté et mis en prison 4 militants pour le climat, Nguy Tinh Can, Dang Dinh Bac, Mai Phong Loi et Bang Ung Duong, et nous nous excusons pour la prononciation. La question continue donc en disant: le gouvernement du Vietnam s'engage-t-il donc à ne plus arrêter de militants du climat et environnementaux si élus au Conseil des droits de l'homme? Oui ou non? Voici donc la question du projet 88 posée au Vietnam. Nous avons ensuite une question pour le Venezuela. Elle vient de OMCT. La question posée est la suivante. Les ONG du Venezuela ont dénoncé les représailles pour leur participation et coopération au mécanisme des Nations Unies de l'État. En tant que membre donc du CDH, comment garantir un environnement sain pour qu'elles puissent, donc ces associations et ONG, pouvoir continuer leur travail? Allez-vous coopérer en tant que membre du CDH avec les mécanismes des Nations Unies, c'est-à-dire par le biais de missions d'observation pour enquêter sur les violations des droits de l'homme dans certaines régions qui font face à des situations critiques? Vous voyez donc que de nombreuses questions ont été posées pour les pays candidats qui n'étaient pas présents. Puisque nous avons encore du temps, nous vous proposons une seconde série de questions et nous repartons par ordre alphabétique. Une question donc pour les pays qui participent aujourd'hui à cet événement. La première question s'adresse à l'Afghanistan, qui vient de Forum Asia. Il me semble que cette question a déjà été posée et que nous y avons déjà répondu. So here we have a question for Belgium. Nous avons donc une question pour la Belgique maintenant. Quoique, il y a quand même une différence dans la question posée à l'Afghanistan. Donc, il me semble que la question a été changée. Je vais donc voir quels sont les changements apportés pour que je puisse poser cette question à l'Afghanistan. La question donc originelle était de savoir comment la mission de l'Afghanistan aux Nations Unies aurait pour but de promouvoir les avancées en termes d'engagement et de responsabilité. Mais nous avons une deuxième question qui vient de Jubilee Campaign aux États-Unis. Est-ce que l'Afghanistan a des plans d'abolir la peine de mort pour conduite religieuse comme l'apostasie et les blasphèmes? Même si un moratoire est en place, nous sommes inquiets de la présence de lois qui criminalisent et pénalisent l'apostasie et le blasphème, et également qui permet à des acteurs non étatiques de commettre des violences ou des tueries extrajudiciaires contre les minorités religieuses. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous confirmons vous entendre.
Je ne suis pas en position de répondre honnêtement à cette question, vu la situation du pays. Je vais peut-être devoir référer cette question à une autre personne. Effectivement, l'Afghanistan a un moratoire en ce qui concerne la peine de mort. Ces 10 dernières années incluent certains terroristes de renommée internationale n'ont pas fait face à une peine de mort dès lors. Lors de la République islamique d'Afghanistan, aucune peine de mort n'a été infligée. Toutefois, dans le régime terroriste, cela est commun. Nous allons essayer que le moratoire puisse être en place aussi longtemps que nous le pourrons. Nous avons maintenant une nouvelle question pour la Belgique qui vient de OFF Géo Cameroun. La question est la suivante. La Belgique mentionne continuer ses efforts pour combattre les représailles. Lors du CDH numéro 49, la Belgique a encouragé le président, le secrétariat et le bureau du CDH de faire un suivi sur le cas OFF Géo Cameroun et a accueilli les informations du membre du CDH, soit le Cameroun, sur ce cas. La question à la Belgique est la suivante. Est-ce que la Belgique continuera de suivre ce cas si élu? En termes de suivi de cette réunion et de cette séance numéro 49 du CDH, quelles sont les leçons apprises? Avez-vous reçu un retour d'expérience encourageant du président du bureau, du secrétariat du CDH ou encore du Cameroun? Nous cédons la parole à la Belgique. Merci au modérateur. Oui, la Belgique, avec ses partenaires, soit les Pays-Bas et le Luxembourg, soit les pays du Benelux, ont mis en place une bonne pratique. Nous avons mis en place une intervention où nous dénonçons les différents actes de représailles avec notamment les représentants des Nations Unies et les mécanismes en place en termes de droits de l'homme. Nous allons donc continuer nos efforts avec ces deux pays pour combattre l'intimidation et les représailles dans ce pays. À l'échelle plus large, nous avons mentionné effectivement que l'espace civique ferait partie de nos piliers lors de notre mandat au sein du Conseil des droits de l'homme si élu. Nous pensons également qu'il existe également une marge de manœuvre pour des actions spécifiques au sein du CDH. Nous pourrions donc également porter une attention particulière à certains défenseurs, mais également aussi abuseurs des droits de l'homme. Nous avons également une question pour le Chili. La question est la suivante, qui a été posée par Human Rights Watch. Nous voyons que l'Amérique latine fait expérience à une érosion alarmante de la garantie des droits démocratiques de base et de l'état de droit. Dès lors, comment le Chili, en tant que membre du CDH, permettra de faire des progrès en termes de démocratie et de droits humains? Merci beaucoup. Le Chili travaille déjà pour le sommet de la démocratie et le progrès des droits de l'homme et de l'état de droit. Nous pensons qu'il s'agit d'un point fondamental. De plus, il est très important de renforcer les organisations des droits de l'homme. Dans ce sens, nous avons de nouveaux éléments dans notre pays en faveur des droits de l'homme qui sont directement connectés aux mécanismes. Nous continuons d'explorer ces mécanismes et nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir une interdépendance entre ces différents facteurs. De plus, le Chili a l'initiative de cette loi contre la torture qui a été promue par le Conseil, a pour but d'appuyer cette convention
Au sein du Conseil, en effet, nous pensons qu'il est important d'accompagner les pays et ce, pour atteindre nos objectifs en matière de droits de l'homme. Notamment en Amérique latine, il ne s'agit pas d'une nouvelle thématique. Nous avons effectivement vu une érosion de l'état de droit en Amérique latine. Il s'agit d'un fait connu et nous utiliserons l'opportunité d'un siège qui nous est donné au Conseil pour rappeler que nous travaillons dans la région avec les objectifs mentionnés précédemment. Nous avons maintenant une question pour le Costa Rica. La question est la suivante. Les pays d'Amérique latine comme le Cuba, le Nicaragua et le Venezuela commettent des violations des droits de l'homme en toute impunité. La question continue en disant, si vous êtes élu pour le mandat 2023-2025, quelle serait votre position contre ces régimes et quels seraient les points à mettre à l'ordre du jour pour contrer ces violations des droits de l'homme? Merci, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Il n'y aura aucun changement dans la ligne de conduite du Costa Rica. Nous avons historiquement agi au niveau des conseils, des niveaux nationaux et internationaux. Nous allons donc participer et lever la voix pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il n'y a aucun doute sur le fait que le Costa Rica continuera dans sa ligne de conduite historique qui est de condamner les violations des droits de l'homme. De plus, nous aimerions insister sur le fait que nous ne pouvons combattre cela avec une seule résolution. Tout d'abord, il faut insister sur le dialogue et garder nos portes ouvertes, et ce, pour établir une coopération avec ces pays où nous pensons qu'il y a des violations systématiques des droits de l'homme. De plus, il est très important que le Conseil des droits de l'homme, le CDH, renforce son travail notamment mettre en place des mécanismes de signalement précoce permettant de détecter des situations avant qu'elles n'aient lieu. Enfin, nous voulons promouvoir une interaction forte avec les différentes régions quant à la protection des droits de l'homme. Dans notre région, l'Amérique latine, nous avons des mécanismes qui sont fondamentaux dans la protection des droits de l'homme. J'aimerais également revenir à la question qui a été posée au Chili plus tôt quant à l'érosion en Amérique latine des principes démocratiques. Oui, nous avons fait face à une érosion parce que nous n'avons pas pu répondre aux besoins de la population. Il nous faut donc changer le paradigme et ce, au sein du CDH. Nous devons travailler sur les points socio-économico-culturels. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Nous avons maintenant une question pour l'Allemagne. Question qui a été posée par Al-Mezan. La question est, votre engagement pour s'assurer de la responsabilité des atrocités commises en Ukraine, notamment à travers la création d'une commission d'enquête des Nations Unies ad hoc, et en votre honneur. Pourtant, l'Allemagne, en tant que d'autres membres du Conseil européen de l'Ouest, s'est opposé à la mise en place d'une commission d'enquête pour l'Israël-Palestine, malgré l'impunité chronique de l'Israël qui commet des violations de masse de la loi internationale, dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont l'apartheid. Lors de ce mandat renouvelé au sein du CDH, l'Allemagne continuera-t-elle à adopter ses doubles discours en ce qui concerne la responsabilité ou allez-vous changer votre approche et appuyer des enquêtes des commissions des Nations Unies pour la situation Israël-Palestine? Merci beaucoup pour cette question.
je ne suis pas d'accord avec cette question et notamment la déclaration qui est faite dans celle-ci. Nous communiquons et n'hésitons pas à nous faire entendre lorsque cela est justifié, notamment en termes de politique. Il n'y a selon nous pas de double voie. Mi-août, avec la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède, nous avons publiquement mentionné nos inquiétudes en ce qui concerne l'Israël. Le 18 août, donc, il y a eu une réduction de l'espace pour la société civile dans les territoires occupés de Palestine. Et nous l'avons dit à l'époque, n'est pas acceptable. Merci, merci beaucoup pour cette réponse. Nous avons maintenant une question pour la Géorgie et qui vient de Human Rights Watch. Est-ce que les autorités géorgiennes prévoient de prendre en considération la commission de Venise et son analyse critique en ce qui concerne la loi de surveillance ? En effet, la liberté de communication et de vie privée sont des droits fondamentaux et toute limite devrait être définie et proportionnée. Il s'agit donc d'une question de Human Rights Watch pour la Géorgie. Merci, merci beaucoup pour cette question. Il s'agit effectivement d'une question importante. La Géorgie est une démocratie relativement jeune et qui fait face donc à des problématiques récentes. 20% de notre territoire qui est actuellement occupé. Nous faisons ce que nous pouvons pour répondre à toutes ces thématiques difficiles auxquelles nous faisons face. Il est de notre responsabilité de garantir la protection des droits de l'homme, répondre aux menaces et aux défis. Cette question nous permet de dire qu'il nous faut trouver un équilibre, un juste équilibre. Il n'y a aucun argument juridique concret contre ces amendements. Tels que je l'ai déjà mentionné, nous sommes une démocratie. Nous avons considéré ces différentes inquiétudes au sein du Parlement. Et cette procédure revient donc au Parlement pour décision. Merci, merci beaucoup. Merci, monsieur. Il s'agit de la dernière heure de notre discussion. Je vous propose maintenant de vous demander une réponse brève sur les différentes questions que je vais vous poser. Une question pour le Kyrgyzstan. La question de Vuka est la suivante. Le gouvernement du Kyrgyzstan a donc décidé de mettre en œuvre une loi de la protection des fausses informations dont l'objectif serait d'éviter que de fausses informations ne se propagent sur Internet et a mis en avant l'ébauche d'une loi anti-extrémisme qui contient des phrases plutôt vagues. Dès lors, suite aux arrestations récentes d'un certain nombre de journalistes, nous avons peur que ces lois soient utilisées pour restreindre la liberté d'expression. Pourriez-vous donc partager la manière dont le Kyrgyzstan prévoit de faire en sorte que cette loi n'est pas utilisée pour restreindre le droit d'expression? Une question posée de Vuka et adressée au Kyrgyzstan. Nous n'entendons pas le Kyrgyzstan. M'entendez-vous? Merci, merci beaucoup pour la question. Je voudrais commencer par mentionner ces journalistes qui ont été arrêtés. Si, monsieur Tamir. Et si nous parlons bien de ce journaliste, Tamir, et je ne sais pas quel journaliste est visé dans cette question, je ne sais pas
quel est le journaliste ou les journalistes pointés du doigt par Vuka. S'il s'agit de M. Tamir, il a été détenu car il était en possession de drogue, drogue qu'il stockait également. Il n'est pas détenu actuellement. Voici donc pour répondre à la question. Si Vuka parle d'un journaliste arrêté, il pourrait s'agir de M. Mirov. Je suppose qu'il s'agit de la personne mentionnée. Or, il ne s'agit pas d'une personne qui fait face à un mandat d'arrêt. Deuxièmement, l'article 10 de notre Constitution sur la censure a ébauché différentes particularités quant aux ressources Internet publiées. Internet ne s'agit pas d'un média de masse et n'est pas considéré comme tel selon cet article de la Constitution. J'aimerais également vous référer à Reporters Without Borders, une ONG, Rapporteurs sans frontières de sa traduction, il s'agit d'une ONG qui mentionne que le Kirghizistan est classé 72e sur plus d'une centaine de pays. Enfin, en ce qui concerne la loi qui a été signée en août dernier, soit en août 2021, sur la protection de fausses informations, le Kirghizistan croit fermement qu'il s'agissait d'un compromis délicat que nous faisions entre la dignité et la vie privée d'un côté des personnes et d'un autre, la liberté de la presse. Encore une fois, Internet n'est pas considéré comme un média de masse selon la Constitution. Il nous fallait pour nous trouver un équilibre quant à l'information divulguée. Ces dernières années, les informations inondaient Internet. Nous avons donc tenté de répondre à ces fausses informations sur Internet. Pourrais-je juste dire que vous utilisez un casque sans fil avec différentes interférences? Nous avons tout entendu. Donc, je tenais à vous tenir au courant. Merci, nous avons entendu votre réponse. Je passe maintenant aux Maldives. Nous avons une question pour les Maldives qui vient du Réseau pour la démocratie des Maldives. La question est la suivante. Maldives a pris des positions différentes sur la peine de mort sur différentes plateformes. Vous engagerez-vous à déférer au moratoire sur la peine de mort? Voici la question pour les Maldives. Merci beaucoup, merci pour la question. Les Maldives ont un moratoire informel sur la peine de mort et nous continuerons à l'appliquer. Article 10 de la Constitution des Maldives stipule que c'est la base de toutes les lois de notre pays et que toute personne doit être protégée de la peine de mort et de toute exécution.
Et l'utilisation d'une exécution comme punition doit être uniquement faite après une examination, un examen très spécifique des cas. Ces deux dernières années, nous avons fait en sorte de mettre en place des changements importants et significatifs par rapport à ce sujet. Et nous sommes désormais absolument déterminés à respecter le moratoire sur la peine de mort, conformément au droit international. Nous voulons aussi rassurer nos partenaires que nous condamnons l'utilisation arbitraire de la peine de mort sous toutes ses formes et que nous continuerons à déférer au moratoire. Merci beaucoup. Nous avons maintenant une question pour la République de Corée, qui vient du Service international des droits de l'homme. Que fera la République de Corée en tant que membre du Conseil pour renforcer la participation de la société civile au CDH? Question pour la République de Corée. Que ferez-vous en tant que membre du Conseil pour renforcer la participation de la société civile au sein du CDH? Au sein du Conseil. Merci beaucoup pour cette question. Je ne m'attendais pas à cette question. Est-ce que je peux vous demander une ou deux minutes pour réfléchir à la réponse? Oui, bien sûr. D'accord, on reviendra vers vous dans quelques minutes. Nous avons une question également pour la Roumanie qui vient de Vuca. La question est la suivante. Le Sénat roumain, le Parlement, la Chambre du Parlement a récemment approuvé un projet de loi qui a pour but d'interdire la dissémination de tout type de contenu concernant la déviation d'un sexe ou d'un genre assigné à la naissance ou la glorification de la réassignation du genre ou de l'homosexualité. Les défenseurs des droits humains et les organisations des droits humains ont immédiatement condamné ce projet de loi et ont demandé au Parlement de la rejeter. Pouvez-vous partager avec nous quelles sont les mesures que la Roumanie prendra pour protéger les droits de la communauté LGBTIQ en tant que membre du CDH et au niveau national? Oui, je vous en prie, vous avez la parole. Je suis Razvan Rousseau, l'ambassadeur de Roumanie. Je souhaitais intervenir ici. Je viens d'arriver de Strasbourg, du Conseil européen, et de façon générale, l'attitude de la Roumanie soutient la promotion du principe de non-discrimination sur la base de l'orientation sexuelle et d'identité liée au genre. Cela fait partie de nos croyances, cela fait partie de nos actions. Il y a deux parties, la partie internationale et la partie nationale. Je vais d'abord parler de l'international. Cette année, nous venons tout juste de nous joindre au Conseil de l'Europe et nous avons entrepris un processus volontaire basé sur la recommandation du Conseil de l'Europe de promouvoir le principe de non-discrimination basée sur le genre et sur l'orientation sexuelle, et nous rejetons tout type de discrimination sur cette base. Au niveau interne, la question parle de la chambre basse du Parlement. Il n'est pas encore une décision. Effectivement, la société civile a demandé le rejet de ce projet de loi. On n'en est qu'à la première étape de nombre de vérifications avant que cette loi soit approuvée. En
juin 2022. Par ailleurs, nous avons renforcé la loi luttant contre les discours de haine, notamment liés à l'orientation sexuelle, etc. Et cela conformément à la loi pénale. Les contrevenants peuvent être emprisonnés de 6 mois à 6 ans. Nous avons aussi des sanctions dont s'occupe un organisme spécifique à ce sujet. Donc, nous avons la situation bien en main au niveau national et il y a des personnages importants de mon pays qui ont été officiellement sanctionnés aussi à cause de ce type de comportement et voilà, nous agissons et nous ne sommes pas passifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Nous passons maintenant à une question pour l'Afrique du Sud de Franciscans International. Quels sont les projets de l'Afrique du Sud pour faire avancer les droits humains et le commerce en général? Je vous donne la parole. Je vous prie de m'excuser, pourriez-vous répéter la question? Franciscans International vous demande quels sont les projets de l'Afrique du Sud pour faire avancer l'agenda sur les droits humains et le commerce au sein du Conseil des droits de l'homme. À vous, madame. L'agenda pour faire avancer les droits humains et le commerce au CDH. Je vais référer cette question à l'organisme qui est véritablement spécialisé là-dedans et je reviendrai vers vous. Mais de façon générale, l'Afrique du Sud est déterminée à faire en sorte que les entreprises en général, le commerce en général, soient en plein respect des droits de l'homme. Nous faisons en sorte qu'il y ait un véritable esprit de respect des droits de l'homme en Afrique du Sud, particulièrement en ce qui concerne le secteur des entreprises. Les entreprises d'Afrique du Sud qui font du commerce en Afrique du Sud, mais aussi dans tout le continent, sont soumises à des réglementations, à des bonnes pratiques recommandées par le gouvernement. Cela inclut des entreprises dans différents secteurs, dans le secteur privé. Mais en ce qui concerne quelle serait notre approche pour le Conseil, au sein du Conseil des droits de l'homme, je reviendrai vers vous à ce sujet après avoir consulté les autorités compétentes. Merci, madame. Nous sommes maintenant à la fin de ce tour de questions, de cette série de questions. Je vais donc donner l'opportunité à la République de Corée de répondre à la question d'ISHR. La question était, qu'est-ce que la République de Corée fera, une fois élue, pour renforcer la participation de la société civile au sein du CDH? Public de Corée, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour cette question et désolée de ne pas avoir pu répondre la première fois, je ne m'attendais pas à cette question. La participation à la société civile est extrêmement importante, bien sûr, notamment maintenant que la société civile et le secteur privé ont des ressources variés en matière de technologie et aussi ont l'expertise en ce qui concerne ce qui arrive au niveau local, ce qui a lieu au niveau local. Les sociétés civiles et les communautés locales sont très importantes car elles peuvent mieux comprendre quelles sont les solutions à certaines lacunes en matière de droits humains et vis-à-vis de certaines violations de droits humains également. Donc, nous voulons travailler
en étroite collaboration avec la société civile, ce que nous faisons déjà au sein du CDH. Il y a deux résolutions sur les gouvernements locaux sur la technologie et nous travaillons avec la société civile et les universitaires pour faire avancer cette résolution et c'est quelque chose que nous souhaitons faire plus souvent, notamment en tant que membre du CDH à nouveau. Merci beaucoup, Madame, pour cette réponse. Nous sommes maintenant à la fin de cette série de questions, mais je vais lire malgré tout les questions qui ont été adressées aux pays qui n'étaient pas présents aujourd'hui. La première est celle de et pour l'Algérie. Elle vient de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Aujourd'hui, on a annoncé la visite du rapporteur spécial sur la liberté de réunion. Mais cela a été repoussé. Cette visite a été repoussée pour la 9e fois. Comment est-ce qu'un pays candidat au CDH peut tourner le dos à ses engagements en termes de respect des droits humains et refuser de travailler avec ce mécanisme? Le gouvernement a d'ailleurs décidé de ne pas voyager pour la première session du CDH qui examinera la situation de l'Algérie en novembre. Nous avons une nouvelle question pour le Maroc. Ces dernières années, de nombreux mécanismes ont mis en place des décisions ou des recommandations que le gouvernement du Maroc refuse de mettre en place, notamment ce qui concerne les représailles et la torture. Est-ce que le Royaume du Maroc a l'intention de mettre en place les outils nécessaires pour établir la vérité? C'était une question pour le Maroc. Question pour le Soudan, de la part de Redress. Le Soudan a indiqué précédemment qu'il ratifierait la CEDAW, CEDAW. Quand est-ce que le Soudan compte faire cela? Maintenant, une question pour le Bahreïn, de la part de Human Rights Watch. Est-ce que le gouvernement du Bahreïn assurera des recherches indépendantes et impartiales concernant toutes les allégations de torture et de mauvais traitements au Bahreïn? Question pour le Bangladesh, de la part d'Inclusive Bangladesh. Est-ce que le Bangladesh changera sa gazette, son journal officiel pour reconnaître tous les genres sous le label de tous, tout genre, au lieu du genre Ishra, de façon à reconnaître tous les genres? Question pour le Vietnam. Le Vietnam a ratifié la convention de l'OIT 98, mais les travailleurs n'ont à ce jour pas le droit à un véritable accès aux syndicats. Qu'est-ce que le Vietnam compte faire contre cela? Question pour le Venezuela. Le Venezuela n'est pas venu aujourd'hui. Que pouvons-nous attendre d'un État qui bafoue les droits humains en permanence en tant que membre d'un organisme dont le but est de promouvoir les droits humains? Mesdames et messieurs, nous avons répondu à autant de questions qu'il a été possible de poser dans le temps imparti. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Je tiens véritablement à remercier tous nos participants aujourd'hui pour leurs réponses. Je vais maintenant donner la parole aux représentations permanentes du Luxembourg ici à New York à prendre la parole pour quelques mots de clôture de la part de nos co-sponsors. Ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Mokhiber. J'espère que vous m'entendez bien.
Madame Calamar, chers collègues, au nom de l'Argentine et du Luxembourg, je tiens à remercier le Service international pour les droits de l'homme et Amnesty International pour l'organisation de cet événement en ligne sur les engagements des pays candidats au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025. C'est un honneur pour le Luxembourg d'avoir coparrainé avec l'Argentine cet événement qui s'est établi comme un rendez-vous annuel important pour la communauté des droits humains. Et je félicite également tous les États qui, comme le Luxembourg l'a fait l'année dernière, ont saisi cette occasion pour présenter leurs engagements et leurs priorités en tant que candidats aux élections au Conseil des droits de l'homme qui auront lieu le mois prochain. Un grand merci donc aux intervenants de l'Afghanistan, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de la Belgique, du Chili, du Costa Rica, de la Géorgie, du Kyrgyzstan, des Maldives. Nous allons donner quelques minutes à l'ambassadeur pour se reconnecter. J'espère qu'il pourra faire cela. Merci de votre patience. Pendant juste un petit instant, nous voulons donner la possibilité à notre co-sponsor de se reconnecter. Another 30 seconds, ladies and gentlemen, and then we will. Nous allons attendre une trentaine de secondes supplémentaires, mesdames et messieurs, puis nous poursuivrons. Désolé, je crois que nous avons été interrompus. Je vous en prie, monsieur. Désolé, j'étais en train de citer la résolution 60-251 de l'Assemblée générale des Nations unies qui a institué le Conseil des droits de l'homme et qui dispose que les États membres élisent les membres du Conseil, je cite, « en prenant en considération le concours que chaque candidat a apporté à la cause de la promotion et de la défense des droits de l'homme et les engagements qu'il a pris volontairement en la matière ». Nos échanges aujourd'hui ont permis de partager les engagements des États candidats et d'approfondir les explications sur leurs priorités et leurs ambitions. Cette discussion a permis aux États candidats de fournir des précisions sur la manière dont ils comptent œuvrer pour promouvoir les droits humains et lutter contre les violations des droits humains. Nous avons entendu beaucoup d'éléments intéressants sur le renforcement des travaux du Conseil et sur la signification de l'appartenance au Conseil des droits de l'homme en termes de protection et de promotion des droits humains, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Le Luxembourg est ravi que de nombreux candidats aient exprimé leur soutien à une participation efficace de la société civile aux travaux du Conseil des droits de l'homme. Nous ne pouvons le rappeler assez souvent, les ONG jouent un rôle essentiel en apportant leur expertise et leur expérience du terrain aux travaux des Nations unies. Un dialogue inclusif avec les autres États membres, les acteurs de la société civile nationale et internationale, ainsi qu'avec les représentants du système des Nations unies, est essentiel pour mener à bien les travaux du Conseil des droits de l'homme. Et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre et approfondir ce dialogue avec tous les États membres. Avant de vous redonner la parole, Monsieur Mokhiber, pour conclure cet événement, permettez-moi de souhaiter chaleureusement bonne chance aux États candidats lors des élections qui auront lieu le mois prochain à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et nous souhaitons un bon mandat au Conseil des droits de l'homme à Genève, aux États candidats qui auront l'honneur d'être élus par l'Assemblée générale. Je vous remercie. Merci.
Thank you very much, Ambassador, for those. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Merci d'avoir été co-sponsor de cet événement. Et merci pour vos excellentes remarques de conclusion. Excellence, chers délégués, mesdames et messieurs, nous espérons vraiment que cet événement vous aura permis à mieux comprendre la vision du mandat et des engagements liés aux droits humains de certains des candidats au CDH. Nous savons d'expérience que cet événement permet de promouvoir la confiance entre les pays candidats, la société civile et les Nations Unies et permet à contribuer le renforcement du dialogue international sur les droits humains. Tandis que nous continuons à faire face aux défis liés aux droits humains, au multilatéralisme dans le contexte de cette pandémie internationale, nous espérons que cette réunion cette année, cet événement cette année, vous aura permis de vous sentir plus inspiré et d'avoir un meilleur esprit de coopération. Encore une fois, je tiens à remercier tous les candidats qui ont pris le temps de s'impliquer dans la transparence pour la question des droits humains, ainsi que les participants pour leur présence aujourd'hui. Merci au Service international pour les droits humains, merci à Amnesty International, merci aux co-sponsors. Vous pouvez continuer le débat en ligne avec le hashtag HRC Pledging. Merci à tous et au revoir.